Welcome back everyone to the French Cooking Academy. As you can see today, it is a special episode because we've been invited in a typical bistro from Lyon called the Bouchon Lyonnais, where we're going to be able to meet the chef and also the maître d' of the place and try to get an explanation of what exactly is a Bouchon Lyonnais. And as you can see from behind, the name of the place is La Meunière. Really well decorated. It is something very special, so let's not wait, let's get started. Alors, bonjour Annick. Bonjour. Et merci de nous accueillir dans le restaurant. Donc, nous sommes aujourd'hui dans le restaurant Le Bouchon Lyonnais, La Meunière, 11 rue Neuf. Et je compte sur vous pour que vous puissiez un peu nous expliquer la différence qu'il y a vraiment entre le restaurant classique et les petits bistrots comme ça qu'on appelle les Bouchons Lyonnais, donc à Lyon. C'est un endroit souvent assez petit, qui est chargé en décoration parce que sur les murs, il y a toute l'histoire depuis nos grands-mères. Et c'est un lieu qui se différencie par la convivialité. Les gens partagent les tables, la cuisine est servie en plat et il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de service à la française, à l'anglaise, voilà. On sert des bons plats roboratifs. C'est une cuisine qui est généreuse. Voilà. On a un petit côté aussi un petit peu familier des fois avec nos clients. D'accord. Voilà. Souvent, après les clients habitués, on se fait la bise. On fait attention à la qualité de vin. C'est très important. On a une jolie carte des vins, notamment sur les Beaujolais, où on a réussi à concentrer tous les crus du Beaujolais. Mais en tout premier, ce sont des... Moi, j'ai toujours associé notre cuisine lyonnaise au Beaujolais. Parce que le Beaujolais, c'est un vin de copain. C'est un vin facile, c'est du glouglou, quoi. C'est du petit fruit, c'est facile, facile à boire, voilà. À partager. C'est un petit peu moins cher, donc voilà, c'est vraiment le vin qui s'associe à notre cuisine lyonnaise. C'est une grande histoire d'amour. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette explication, c'est un plaisir. Et puis après, on va parler à notre chef de cuisine. Allez, on appelle Olivier. Allez, on y va. Alors bonjour Olivier, donc merci de nous inviter dans ton restaurant, dans ton Bouchon Lyonnais. Bonjour, merci. Et donc La Meunière, donc 11 rue Neuf à Lyon, et nous sommes ici donc dans une institution un peu lyonnaise, c'est une maison qui est... Alors la première chose que tout le monde a un peu savoir, qu'est-ce qui vous a poussé un peu à vous diriger vers l'ouverture d'un bouchon? D'un bouchon. Alors moi je suis issu du monde de la gastronomie, j'ai fait que de la cuisine gastronomique. Mais je me lassais un petit peu, ça me fatiguait tous ces plats, ces chichis. Et j'aimais cette cuisine un peu folle, un peu terroir, un peu historique, tout ce que l'on aime, nous. Donc je me suis dit, tiens, ce qui serait bien, c'est qu'un jour, je reprenne un bouchon. Et quand celui-ci a été à vendre, j'ai arrêté la cuisine gastronomique pour enfin faire de la cuisine que j'aime, la cuisine généreuse de nos régions. Donc c'est une opportunité quand même qu'il faut saisir en général quand on peut avoir l'opportunité d'ouvrir un bouchon comme ça, Oui, c'est une opportunité. Déjà, il n'y a pas beaucoup de vieilles maisons comme celle-ci. Ouais. Elle a 100 ans bientôt, donc c'est une vieille maison. Donc oui, c'était le plaisir de faire de la cuisine lyonnaise. Vraiment un typique. En plus, quand les gens viennent chez nous, ils ont l'œil qui brille parce qu'ils rentrent dans une maison pleine d'histoire, pleine de saveurs du terroir. Donc, c'est top. Alors, et au niveau de la cuisine, on a parlé à Annick. Il nous a expliqué un peu le style convivial, familial. Donc en tant que chef de cuisine dans un bouchon lyonnais, alors le type de cuisine qu'on va retrouver, le type de plat qu'on va retrouver typiquement, grosso modo, qu'est-ce que ça va être? Alors, vraiment, dans la cuisine lyonnaise, il y a beaucoup de triperies, de choses comme ça. Après, il y a le classique, on va dire, c'est le tablier de sapeur. C'est une tripe qui est panée. D'accord. Il y a la quenelle. Il y a tous ces plats un petit peu canaille, un peu comme les bourguignons, les choses comme ça, les tripes à la tomate, les cervelles d'agneau, les abats. En fait, beaucoup d'abats. Voilà. Parce qu'en fait, les mères lyonnaises, quand elles ont commencé à cuisiner, elles travaillaient ces abats que les bourgeois ne voulaient pas. Donc elles ont pris ces plats-là et les ont cuisinés pour la famille, et puis après, elles ont fait des restaurants. Et chaque bouchon, est-ce qu'il y a
des plats préférés que certains chefs aiment faire? Complètement, tout à fait. Chaque chef a un peu sa spécialité. Alors chez nous, c'est l'oreiller de la belle meunière, c'est un gros pâté croûte que l'on voit là. Qu'on voit ici. Voilà, c'est un magnifique. Peu hein, c'est... Il est issu de 7 viandes. De 7 volailles, il y a 5 volailles, ouais. Et un peu de veau et de porc pour apporter un peu de gras, un peu de goût. Donc on voit bien un petit peu les lèches, là il y a du foie gras, ouais. Et il y a d'autres choses. Voilà, donc c'est un gros pâté croûte qui est issu d'une spécialité française qui est l'oreiller de la belle aurore, qui est à base de gibier. Mmh. Et nous, on l'a transformé pour l'avoir toute l'année en oreiller de la belle meunière pour en faire un pâté croûte de volaille. Quand vous le préparez, donc ça se sert comment? Donc là, on a l'oreiller, c'est une grosse pièce. Voilà, c'est une grosse pièce. Donc je vais couper une tranche. Voilà. Je vais servir sur un grand plateau, un grand plat en inox, ouais. Avec un petit peu de salade. Puis généralement, ils se le partagent parce que c'est une grosse tranche quand même. C'est moi bien. C'est impressionnant. Voilà. Alors, il y a des gourmands qui se le mangent en entier, mais ouais. Généralement, ils se le partagent à deux. D'accord. Si tu veux, ce que je peux faire, c'est de te couper une petite tranche. Allez, on va goûter. Je vais me lever. Hein. Hop, pas de problème. Alors le plat que je te disais, tu vois, hein, d'accord. C'est un petit plat, hein, donc on le sert là-dedans. Bon, là je vais pas mettre la salade, ça sert à rien, hein. Mais voilà. Donc, oui, voilà, c'est vraiment. Ouais, c'est une belle tranche. Hop. Et ça fait partie des pâtés en croûte quand même. Il fait partie de la famille des pâtés croûtes, voilà. Tout à fait, voilà. Et en parlant de pâtés croûtes, donc il y a eu des championnats aussi. Il y a un championnat du monde qui existe. Qui existe. Je l'ai pratiqué deux fois, j'ai eu deux prix. Le premier prix qui était le prix de la confrérie, donc c'est ceux qui sont la confrérie du pâté croûte. Et l'année dernière, j'ai eu le prix Espoir. Mmh. Donc le prix Espoir, c'est voilà, un jeune espoir, donc je suis un gamin, donc ça fait plaisir. Au niveau des ustensiles, il y a beaucoup de gens qui veulent savoir un peu. Donc le chef français, quels sont les couteaux de prédilection? Est-ce qu'il y a vraiment... Donc je vois pas de couteau japonais. Non. C'est bien parce qu'il y a un peu cette mode maintenant. Oui, il y a une mode, tout à fait, oui, voilà. Donc là, on peut voir des couteaux qui ont l'air un peu été faits spécifiquement. Voilà, moi j'ai un coutelier qui est à Saint-Genis-sur-Gier, donc c'est un petit peu en dehors de Lyon. Mm-hmm. Il fabrique ses couteaux. C'est un coutelier français qui, voilà. On va parler sur du pâté croûte. C'est un couteau à dents, mm-hmm. Mais je l'ai fait finir ici sur une lame. Tu vois, donc c'est que quand je coupe la lame, elle finit le pâté croûte. Après, moi, le classique, le couteau que j'utilise le plus, c'est l'éminceur. D'accord. D'accord. Alors moi, cette taille-là, elle me va bien, parce que voilà, c'est une prise de main. Mm-hmm. Et après, pour finir, moi, j'ai le couteau d'office pour les légumes. Voilà. Donc, avec un minimum de couteaux, on n'a pas besoin d'une panoplie énorme de couteaux Moi, je ne suis pas pour avoir 36 000 couteaux, c'est personnel. Voilà. Hein. D'accord. Je pense que le couteau, quand on l'a bien dans la main, il a beau être gros, hein, c'est une habitude que l'on a. Il faut rester sur ce genre de pièces. D'accord. Bah écoutez Olivier, merci beaucoup. Je te remercie. Hein, pour nous présenter tout ça. Et puis peut-être qu'après on aura la chance de revenir, d'essayer quelques spécialités. Et bien goûter. Hein? Voilà, bah écoutez. À bientôt. Au plaisir. Merci. Allez, au revoir. Bye. And that's it guys, that completes the video for today. Hein. So don't forget to write down this address if you come to Lyon. Hein, this is the Bouchon Lyonnais called La Meunière, hein, 11 rue 9 in the first quarter. I put all the details in the video description, of course, and you have to try this specialty here. Hein, l'oreiller de la belle meunière, hein, this pâté en croûte, as we call it, like this encased, 7 types of poultries with foie gras encased in a beautiful Schwarzkraut pastry. It is something you have to try. But that's it for me. I'll see you all in the next episode on the French Cooking Academy. Take care all. Bye-bye.